Il est avec nous le concepteur de la première tablette éducative africaine. C'est un Ivoirien, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Ndoufou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Ma première question, c'est de savoir tout de suite comment est-ce que l'idée vous est venue de créer une tablette ici en Côte d'Ivoire. Alors, l'idée nous est venue premièrement d'un cri de cœur. La douleur de voir des enfants transporter des cartables lourds de 7, 8, 10 kilos, faire certaines distances, se rendre à l'école avec tout ce poids et ne pas pouvoir, malgré ce grand poids-là, pouvoir accéder à l'ensemble de ce qui se fait de mieux et de meilleur dans le monde de l'éducation. Deuxièmement, c'est l'autre déclencheur un peu de cette idée, ça a été que les technologies ont apporté des choses très importantes, des révolutions dans le domaine de la santé, dans le domaine du divertissement, mais dans le domaine de l'école, le numérique était encore très, très peu utilisé. Et pour nous, avec toute la richesse que cela comportait, il était temps pour nous de faire entrer l'école à l'ère du numérique. Et vous étiez combien dès le départ à travailler sur le projet? Au départ, nous étions trois à réfléchir, à travailler sur le projet, Armel Kofi et Bautier Paul-Émile. Et nous avons donc, à partir des différentes idées qui sont sorties de nos différents brainstorming, pensé à mettre en place un cartable. Un cartable numérique. Donc un cartable pas comme celui que nous connaissons, qui pèserait moins d'un kilo, quelques centaines de grammes à peine, mais qui permettrait d'accéder à tout ce qui se fait de mieux en matière d'éducation. Vous avez eu l'idée, mais où la tablette a été conçue? La tablette a été conçue, nous l'avons marquée même sur nos paquets, avec amour à Cocody. Donc nous l'avons conçue ici en Côte d'Ivoire. Pourquoi l'appellation tablette éducative ou cartable numérique? C'est bon d'insister là-dessus. Alors, tablette éducative, parce que avant tout, c'est un objet électronique. Donc, c'est une tablette, pour ceux qui savent ce que c'est. Nous n'avons pas voulu faire une simple tablette, comme on connaît, comme le grand public connaît. Nous avons voulu faire quelque chose qui soit entièrement dédié à l'école, entièrement dédié à l'apprentissage et à l'éducation, d'où l'appellation cartable. Cartable numérique, parce qu'on trouve dans cette tablette, on trouve des livres, mais numérisé, dématérialisé. On trouve des outils pour prendre des notes. Et puis, on trouve des fiches de cours numériques et interactives. C'est ce qui vous distingue des autres tablettes, c'est ça? Exactement. C'est ce qui nous distingue des tablettes qu'on trouve sur le marché. C'est donc une première tablette éducative africaine pour révolutionner le système éducatif. Présentation de la tablette avec Fita Soro et Franck Kouadio. Pour révolutionner le système éducatif ivoirien, une tablette éducative made in Côte d'Ivoire a été conçue. Cette tablette du nom de Kelasi vient concilier les nouvelles technologies et l'éducation afin de permettre à l'école, en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier, de rentrer dans l'ère du numérique. Cette tablette dite cartable numérique vient également permettre aux élèves et aux étudiants d'apprendre de façon conviviale avec un accès en tout lieu à son contenu éducatif et scolaire et en accord avec les réalités technologiques de son siècle. Il existe en trois déclinaisons. Kelasi Kid pour les plus petits, Kelasi Teen pour les adolescents, Kelasi Uni réservé aux autres. Pour son concepteur, avec Kelasi, l'accès au site internet réservé aux adultes est interdit, contrairement aux tablettes ordinaires. Ceci pour permettre aux enfants, élèves et étudiants de se consacrer uniquement aux études. Ce sont plus d'1 million de sites qui sont concernés par cette restriction. Comme caractéristique, cette tablette pèse moins qu'un cartable de 600 grammes. Elle est dotée d'un écran de 8 pouces avec 16 millions de pixels permettant la clarté des livres et 16 gigaoctets d'espace de stockage. Pour la rentrée académique 2015 à 2016, le concepteur compte pouvoir étendre la tablette Kelasi à d'autres pays. Pourquoi Kelasi, c'est original? Le nom Kelasi vient de la prononciation du mot classe, relatif à la salle de classe, par nos grands-parents, on dira. C'est classi, comme dirait un parent baoulé. C'est un produit made in Côte d'Ivoire, un produit baoulé. Donc, comment cette tablette fonctionne? Alors, vous avez là une tablette, vous allez nous faire une démonstration. Exactement. Donc, la tablette dont la taille a été suffisamment étudiée pour tenir entre de petites mains comme entre de grandes, fonctionne de façon très simple. Il y a sur cette tablette deux sessions, une session pour le parent et une session pour l'enfant. D'accord. Donc le parent définit les usages possibles,
les heures auxquelles on peut l'utiliser, est-ce que l'Internet est autorisé ou pas. Et une fois qu'il a fini son paramétrage, on dira, il le donne à l'enfant qui peut accéder, on le voit ici, à un ensemble de livres qui sont déjà dématérialisés. Donc on dira, les manuels scolaires sont accessibles par cette tablette. Je prendrai par exemple le cas d'un livre de géographie, hein, on le verra là. Donc le livre de géographie de CE1 qui a été dématérialisé. Et contrairement au livre physique, nous avons la possibilité, depuis le livre déjà, de rajouter des éléments multimédia, des éléments vidéo, des éléments audio, pour véritablement plonger l'enfant dans ce qu'il apprend. Donc, par exemple, ici, un cours sur la Côte d'Ivoire, on a intégré dans le cours une vidéo de Côte d'Ivoire Tourisme qui présente un peu On entend le son les déjà. richesses, voilà, de la Côte d'Ivoire. Ainsi, l'enfant ne va plus seulement regarder que des images fixes qu'il y a dans le livre papier, mais il pourra véritablement s'immerger dans le cours, être davantage engagé et puis être heureux d'apprendre. Moi, je prends un cas pratique, hein. J'ai 5 ans, je suis au CP1. Comment je peux accéder à vos tablettes? Alors, c'est aussi tout aussi simple, hein. À 5 ans, on a certains réflexes qu'on commence à construire et la tablette est faite de façon à ce que même un enfant qui démarre sa phase d'apprentissage puisse, avec ses doigts, juste avec un toucher de doigt, accéder à ses livres. Je prendrai le cas ici du livre de CP1, par exemple, de français, qui a été Vous dématérialisé. avez tous les livres dedans, c'est ça? On a une bonne partie des livres déjà que nous avons dématérialisés. D'accord. Voilà. Donc l'élève accède à sa tablette. Avec son petit doigt, il appuie un bouton qui lui montre sa bibliothèque et il pourra reconnaître les couvertures des différents livres qu'il a utilisés. C'est une tablette éducative. À quel cycle est-elle donc destinée? Vous avez parlé de CP1 et... Alors, c'est une tablette qui est destinée à tous les apprenants, on dira depuis le CP1, effectivement, jusqu'à l'université. Jusqu'à l'université, elle se décline en trois tablettes. Une Oui, tablette pour les plus petits, on l'a entendu tout à l'heure dans le reportage, voilà, et puis une d'accord. tablette pour les collégiens, lycéens, et une autre pour les universitaires. Mais pensez-vous qu'elle soit adaptée à nos besoins? Je pense que nous, en Afrique, ici, Ouais. en Côte d'Ivoire, nous avons vraiment intérêt à partir à l'école numérique. Le gouvernement de Côte d'Ivoire l'a compris et a lancé un vaste programme appelé e-éducation, parce que le gouvernement connaît mieux que, enfin, est mieux placé pour savoir quels sont les réels besoins de la population. Et le gouvernement a estimé que l'éducation numérique ou le numérique dans l'école était l'une de ses priorités. Et elle a lancé le programme e-éducation. Donc, on s'inscrit, nous, dans cette lancée. Vous pensez que tout le monde peut avoir accès à votre tablette? Je veux parler du coup. Alors, côté accessibilité, nous pensons que l'éducation de qualité n'a pas de prix. D'accord. Si nous voulons donner toutes les chances possibles à nos enfants quand ils finiront leur cycle scolaire, il est bon d'investir dans l'éducation de qualité. Si nous pensons que la santé des enfants est quelque chose d'assez important, si nous voulons leur éviter des maladies de dos, de poitrine, du fait du lourd poids du cartable, je pense qu'on ne devrait pas lésiner à investir. Donc pour nous, c'est un investissement, l'éducation. Et donc, on peut faire l'effort, à partir du moment où on a compris cela, d'accéder à cette tablette, à cet outil. Comment se fait aujourd'hui la collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale concernant votre outil? Oui, alors pour ça, nous voulons d'abord, encore une fois, saisir l'occasion et dire merci à Merci. Madame le ministre de l'Éducation nationale qui nous a reçus dès qu'elle a eu vent de l'innovation et avec lesquels nous avons eu beaucoup de séances de travail. Donc, on dira que le ministère de l'Éducation nationale, au travers de ses structures spécialisées, nous accompagne dans l'implémentation de pilotes que je crois on verra très rapidement devenir réalité. Est-ce que la tablette ne va pas contribuer à la tricherie en classe? Bon, nous croyons tout au contraire que non, que grâce aux technologies que nous avons intégrées dans la tablette, le maître, l'enseignant, aura en quelque sorte un don d'ubiquité. À partir de sa tablette, nous lui avons intégré un outil où il voit tout ce qui se passe en temps réel sur les tablettes des élèves. Donc à partir de ce moment-là, il peut voir qui fait quoi et puis justement arrêter celui qui aurait l'intention de tricher. Nous avons des outils pour lutter contre la tricherie à l'intérieur. Donc, vous pensez que votre tablette a sa place dans le système éducatif?
Nous pensons que le système éducatif doit adopter cette Adopté. tablette parce que véritablement, ça permettra à ce système d'être aussi efficace que ceux du Nord, sinon plus, pourquoi pas. Votre tablette est sortie depuis 2 ans. Comment elle se porte, comporte sur le marché? Bon, elle est sortie depuis septembre 2014. 2014, Oui, ouais. et déjà, on peut dire que nous avons environ 7 500 unités qui sont dans le marché. Et déjà, nous avons donc des écoles équipées, on dirait une école équipée au Maroc, des intentions au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, bien évidemment. Et donc, on pourra dire qu'elle commence à se comporter bien. Et nous pensons qu'elle se comportera encore mieux. Quelles sont les perspectives pour terminer? Bon, les perspectives pour Kelassi, c'est d'abord d'être présent dans le système éducatif national, pour que toute la population puisse bénéficier de l'apport de cette technologie. Et ensuite, pouvoir toucher d'autres secteurs. L'éducation est le premier secteur que nous avons voulu embrasser. Mais nous pensons que ce que nous savons faire peut également bénéficier à l'administration publique, peut également bénéficier à l'agriculture. Donc oui, nous sommes en train de penser à consolider l'éducation et à utiliser les technologies et le savoir que nous avons pour les Votre autres secteurs. message à l'endroit de ces élèves, de ces parents qui nous suivent en ce moment. Alors, aux parents d'élèves, j'aimerais dire que les élèves aujourd'hui qui vont sur les bancs de l'école, c'est dans le but d'être demain parmi les travailleurs de cette nation. Et dans les entreprises, on utilise déjà l'outil numérique. Donc il est bon, dès à présent, de les familiariser avec cet outil-là et de leur permettre, à travers un tel outil, d'accéder au meilleur de ce qui se fait en matière d'éducation dans le monde entier. Voilà, donc ce serait plus à l'adresse donc des parents et puis bien sûr aux enfants qui sont déjà friands de tout ce qui est technologie. Je dirais que désormais, il y a un outil qui ne sert pas qu'à jouer, mais qui sert à apprendre, et à apprendre de façon agréable, de façon engageante, de façon passionnante. Où est-ce qu'on peut trouver cette tablette? Cette tablette, elle est du moins aujourd'hui disponible chez nos partenaires. Je peux pas les... Merci, Monsieur Thierry Ndoufou, d'être venu sur notre plateau. Je Je... rappelle que vous êtes le concepteur de Kelassi. Loin de nous de faire de la publicité, mais plutôt de vanter les mérites d'un créateur, d'un chercheur. C'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Merci d'être venu sur notre plateau tout à l'heure, à 15h, le plateau de la CAN. À 16h, Zambie, RD Congo. 18h, Tunisie, Cap-Vert. La première rencontre des éléphants, c'est le 20 janvier prochain à 16h. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.